Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon DP terminé, mon petit DP renard. Qu'est-ce que tu fais là toi? Voilà. Celui-ci c'est un petit, donc c'est le DP que j'ai fait après Tinkerbell. De près, ça ressemble à rien. De loin, dans le retour caméra, c'est joli. Donc c'est un 25x25 que j'ai acheté dans la boutique Klimj Official Store, donc sur AliExpress. Il y a 32 couleurs, il m'a coûté 5,92€. Donc par rapport à qualité-prix, c'est très bon. Parce que moi, les drills c'était de bonne qualité. J'ai pas eu vraiment de pop-up à part pour le noir, mais le noir c'est mon restant DP de que j'utilise encore, donc voilà, tellement j'en avais du 310, mais je suis quand même, enfin j'aurais dû prendre une taille au dessus je pense, mais là au retour caméra le rendu est quand même plutôt pas mal, sachant que pour les oreilles, pour le duvet là, c'est du rose, hein, c'est pas du blanc. Je pense que ça se voit quand même un peu. Mais de très loin, ça doit rendre un petit peu mieux quand même. Mais ouais, une taille en dessous, ça aurait été bien. Ouais. Ouais, il rend quand même bien, mais voilà. J'aurais aimé une taille au-dessus, je pense. Ouais, ça aurait été encore un peu mieux. Donc je pense que je ne prendrai plus de 6 petits DP en fait. 25-25, c'est trop petit. Je pense que je prendrais 25-30 minimum maintenant. Enfin, je pense. Ou même un peu plus, 25-50. Ou... Enfin, je vais voir. Mais bon, là, je vais repasser sur un gros. Donc, enfin, gros, tout est relatif. Mais voilà, mon prochain, c'est celui que j'ai unboxé dernièrement. Donc, un personnalisé chez Manwit. Mais bon, revenons à celui-ci. Donc, pour le temps de travail, j'ai pas vraiment calculé en fait. J'avais commencé, puis après, j'ai oublié de le faire. Donc, mais enfin, je sais pas trop combien j'ai mis le mois de mai, on va dire, pour le faire. Mais bon, j'en faisais pas très souvent non plus. Mais ça a été quand même relativement rapide à faire. Mais non, il n'y a pas eu de popping ou quoi. Non, je suis quand même relativement satisfaite de celui-ci. Donc la qualité du canevas est bonne, les drills sont de bonne qualité, j'ai eu très peu de déchets, mais en même temps, vu la taille du truc, j'ai pas eu non plus une quantité faramineuse de drills. Donc la taille, voilà, je ne suis pas satisfaite de la taille, j'aurais dû prendre une taille au-dessus, même si le rendu caméra rend bien. Donc je pense que je vais peut-être l'encadrer quand même, mais... enfin je sais pas trop encore. Mais j'ai plein de petits poils qui sont collés. La quantité de drills, eh ben, j'en ai eu largement assez. Voilà, je vais avoir un petit peu de stock. Et voilà, ma satisfaction, bah, c'est moyenne parce que voilà, j'aurais préféré une taille au-dessus, je pense. Donc est-ce que je recommanderais chez Zander? Je sais pas trop. J'attends de faire mon perso de chez Manwit. Manwit Rachel Store. Et je pense ne commander plus que chez Rachel après. Je sais pas. Parce que là, j'ai eu pas mal de. Enfin pas mal, non. C'est que mon. Celui-ci, c'était mon troisième. Mon quatrième, si on compte le tout premier en round que j'avais fait sur Amazon, mais enfin, je suis pas, enfin vous devez l'entendre, hein, je suis pas entièrement satisfaite là par rapport à la taille. Mais bon, c'est de ma faute, hein, j'avais qu'à commander la taille dessus, hein, mais je sais pas, je sais plus trop comment il a été emballé, mais c'est pas, enfin en même temps, vu la taille, c'est normal. Je sais pas, je suis pas entièrement satisfaite, je sais pas pourquoi. Maintenant que j'ai reçu ma commande de chez Manwit, j'ai de grands espoirs en Manwit. Donc je vais voir ça. Là j'ai hâte de le commencer du coup. Et bon, voilà pour celui-ci. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, même les liens si vous voulez des petits
ma roulette si vous voulez. J'ai commandé dernièrement ce drill pen sur Ali, mais j'aime pas du tout. J'aime pas prendre les drills avec. Là, vous avez une partie wax, cire, enfin, c'est ça s'abîme très vite et ça pose pas forcément le drills là où il faut. Donc voilà, il est joli, mais j'aime pas l'utiliser. Je préfère largement le pen que je me suis fait moi-même, quoi. Faudrait que j'arrive à en retrouver à Action des stylos et essayer de vous faire des vidéos, une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait, comment je fais pour faire un drill pens. En même temps, c'est tout simple. J'ai juste coupé mon drill pens basique. Voilà. Je l'ai juste coupé pour que ça rentre pile poil et voilà. Hop. J'ai mon drill pens. C'est juste Bibou qui est un petit peu dégoûté parce que je lui ai piqué, mais voilà. Comme sur écrire. Je n'en rachète rien. Mais voilà, je préfère largement utiliser ça. J'aime bien la prise en main. Et c'est plus précis que ça. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Diamond Painting ou non. Ciao!